Et le bilan de cette guerre continue de s'alourdir. Plus de 1400 personnes ont perdu la vie dans les attaques en Israël. Alors que les Palestiniens pleurent la mort de plus de 2600 personnes. Et dans les deux cas, les victimes, ce sont majoritairement des civils, des enfants même. D'ailleurs, on compte désormais 5 Canadiens tués, Marc-Antoine. Voilà, on confirme donc le 5e décès d'un Canadien. On a très peu d'informations sur cet individu. Ce qu'on sait, c'est qu'il manquait à l'appel depuis plusieurs jours déjà. Également, 3 personnes qui sont toujours portées disparues, 6800 Canadiens qui sont inscrits en Israël et 450 inscrits en Cisjordanie et du côté de la bande de Gaza. Je vais vous parler des opérations de rapatriement organisées par le gouvernement canadien parce qu'elles sont très complexes. La première, bien, c'est en sol israélien. D'ici la fin de la journée, 1000 Canadiens devraient avoir quitté le territoire par la voie des airs. Il y avait 2 vols organisés aujourd'hui. Il y en aura 2 également demain et tout au long de la semaine également. L'autre organisation, plutôt, c'est entre la bande de Gaza et l'Égypte. Vous le voyez, cette mince frontière, on l'appelle la frontière de Rafah, qui sépare donc les deux territoires. L'enjeu en ce moment, c'est qu'il y a 2 bordures. Une première bordure pour quitter la bande de Gaza et une autre pour entrer en Égypte. Alors, ça prend l'accord de tous les partis, de l'Égypte, de la bande de Gaza également, qui est contrôlé par le Hamas et même Israël. Et ce qu'on en conçoit pour le moment, c'est qu'un accord n'a pas encore été trouvé. La bordure devait rouvrir hier pour laisser passer les ressortissants canadiens et américains, mais ça n'a pas été fait. Et on ne sait toujours pas quand elle va rouvrir. Je vais vous laisser entendre la sous-ministre. If an opportunity arises, it will be a short window. We have emphasized that people need to ensure their own safety and security when they're traveling, that they need to be prepared, they need to be aware of their context, and that should an opportunity arise, that being close to that border would be a benefit. Bon, et la dernière opération de rapatriement organisée par le gouvernement, c'est en Cisjordanie, donc de Ramallah jusqu'à Amman, c'est la capitale de la Jordanie. Là aussi, c'est très complexe parce que tout d'abord, le rapatriement se fait en autobus, doit avoir l'autorisation israélienne pour quitter le territoire de la Cisjordanie, mais également l'autorisation de la Jordanie pour rentrer en territoire. Alors, ça devrait débuter mardi, puisque la frontière entre les deux territoires est fermée demain. Je vais vous glisser en terminant un mot sur le Liban. Pour le moment, on demande d'éviter les voyages et déplacements non essentiels parce que la situation est très volatile là-bas. On exhorte aux citoyens canadiens qui sont sur le territoire de quitter. Merci, Marc-Antoine.